On retourne sur la BA 112, 10 ans que les militaires ont quitté les lieux. La base aérienne de Reims a marqué des générations. En 1908, par exemple, s'envole de là le premier vol de ville à ville d'Henri Farman. En 1909, le terrain accueille le premier meeting d'aviation. Une topographie idéale, remarquée par les militaires aussi. Dès 1924, ils investissent le terrain et l'aménagent. La BA 112 a accueilli jusqu'à 2500 hommes qui vivaient et travaillaient ici. Des centaines d'aéronefs se sont succédés, parmi les plus performants, les plus prestigieux, comme le Mirage F1. La base aérienne, c'était une véritable ville. C'est abusif de dire que ça grouillait, mais effectivement, il y avait une grosse activité. Nous sommes le 30 juin 2011. Journalistes, invités, militaires, bien sûr, se pressent sur le tarmac de la BA 112. Encore une heure et la base aérienne sera définitivement dissoute et avec elle un siècle d'aéronautique à Reims. Le moment est solennel, émouvant. Cette parcelle d'orge de printemps tout juste semée, comme un grand râteau pour enlever les mauvaises herbes. La technique peut paraître d'un autre âge et pourtant Silver Picard, agriculteur, est bien en expérimentation sur cette terre de l'ancienne base militaire. Le tout en essayant d'inventer une agriculture plus vertueuse, avec moins d'intrants chimiques, moins d'émissions de carbone. Maximin Charpentier est l'un des membres fondateurs de la ferme expérimentale. L'Europe va imposer à tout le monde d'essayer d'avoir une empreinte neutre en carbone en 2050. Donc tout le monde, c'est pas que l'agriculture, c'est tout un chacun qui va devoir faire cette preuve-là. Donc l'idée, c'est qu'on ait vraiment une stratégie de territoire, de voir sur chaque territoire quel gisement on peut profiter, pour quel usage. Et en fait, selon les gisements, ça va être de la technologie différente, parfois de la pyrogasification, de la méthanisation. Il faut bien étudier vraiment chaque territoire, son projet, pour améliorer son empreinte avec les parties prenantes. Et puis il y a les autres voisins, avec qui ils travaillent aussi. Des voisins aux univers étranges, dans le hangar, juste à côté. Je vais appeler le médecin. Non, tu vas rien appeler du tout. S'il a dit dans un mois, c'est dans un mois, c'est tout. T'inquiète pas mon fils, je gère. D'accord. La proximité de Paris a joué aussi, tout comme les 12 000 mètres carrés disponibles, pour stocker de nombreux décors et accessoires pour tout le groupe, qui s'imagine bien rester ici. Alors, il y a énormément de choses à faire, parce qu'on a la chance effectivement d'avoir beaucoup de bâtiments. Il y a encore ce qu'ils appellent la microville, pour l'instant il n'y a pas accès, mais demain on y aura accès. C'est évidemment un patrimoine magnifique à utiliser pour nous. Et donc effectivement, c'est à chaque fois d'essayer de valoriser le patrimoine local et de le mettre au service de l'artistique dans nos fictions. La future microville, la voici. Ce bâtiment, c'est l'endroit où les militaires venaient chercher leur paquetage. Alors c'est un bâtiment très particulier. En fait, il y a des endroits qui sont sécurisés parce qu'il devait y avoir du matériel sensible, bien entendu. Dans ce bâtiment, Martine Joly, la maire de Courcy, y voit désormais un musée. Plus loin, elle imagine des entreprises et des habitants s'installer, des modes de transport doux, du circuit court. Une microville sur l'ancienne base vie de la BA 112, située sur les terres de la commune, mais qui appartient encore à l'armée. Alors ici, je me dis qu'on a un lieu où on va pouvoir expérimenter. On va pouvoir repartir de cette friche, non pas tout abattre pour reconstruire un quartier ou une petite ville dont on n'aurait pas besoin, mais utiliser ce qu'on a et qui est encore solide pour faire du collectif, faire un projet pour le territoire et non pas faire un projet pour faire du bénéfice. Essayer de nouvelles pratiques, tester pour délier l'imagination. C'est le projet commun de tous ceux, agriculteurs, entrepreneurs, collectivités, qui s'installent sur la BA 112 depuis 10 ans. Ils partagent la volonté de créer un monde différent tout en gardant dans un coin de leur tête ce qui les attache à ce lieu si particulier.